à l'école, on a gagné 3 à 0. C'est 3 € parce qu'on a joué le football à l'école, on a partagé le maillot, mais c'est très content, on a gagné 3 à 0. C'est très content, on a joué le football à l'école. Bonjour mon ami. Bonjour mes amis. Oh, qui sont qui fait? Qui sont qui voient? Qui sont qui fait? Qui sont qui voient? Un cri de joie. Un cri de joie. La direction de l'école Saint-Jean-du-Mont a organisé ce tournoi de football pour bien clôturer l'année scolaire en beauté et en bonté. Et c'est un tournoi de fair play aux élèves. Et il y aura aussi un championnat qu'on va organiser d'ici là pendant les vacances, mais là ça va concerner toutes les équipes du quartier de Mpaka kilomètre 8. Après ce tournoi, il y aura un trophée, parce que la finale sera jouée entre les filles et les garçons. Mais on a prévu quelque chose à remettre aux meilleurs. En ce qui concerne la fin d'année scolaire, je ne peux que dire que l'année scolaire a bien commencé et s'est bien déroulée. Et on termine bien en beauté l'année. En tout cas, le travail, ça a été au top. Ça a été au top. Les résultats, je les ai vraiment. Là, j'attends seulement les résultats du CEP rouge, d'abord le CEP blanc. J'ai fait 100%. Je suis très, très content, très à l'aise par rapport au travail fait. Aujourd'hui, il y a eu deux équipes féminines et le résultat, c'était de 3 buts à 0. 3 buts à 0. Et demain, ce sera deux équipes masculines. Ce que je pourrais seulement ajouter, c'est j'attire l'attention des parents qui peuvent venir assister au tournoi, comment leurs enfants sont en train de jouer, le fair play qui se passe, que les parents soient à la main. Il y a eu quelques-uns qui étaient là. Mais je veux qu'il y ait demain un grand nombre de parents pour venir regarder le match de leurs enfants.